Alright, salut la gang. Aujourd'hui, à notre podcast, on parle de la perception des autres qui ont des autodidactes. On termine la partie 3 de la petite formation que j'avais commencée en audio. On parle ensuite de quelques trucs et du plan d'un Marshall. Et tout de suite, j'accueille mon frère Vincent. Salut Vincent. Oh, attends un peu. Pas de son. Vas-y. Allô, ça va? Yes. Ok, parfait, parfait. Je vais essayer de. Je voulais diffuser moi aussi là, le live. Où c'est qu'il faut que j'aille pour ça? Un peu. Ah, si je clique ici, peut-être ça va marcher. Pendant que tu gosses, on va faire. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? J'ai eu une suggestion. Qu'est-ce qu'on boit? C'est qu'est-ce qu'on boit? Ouais, j'ai eu la suggestion de Jean-Sébastien qui me suggérait. Oh! Comme ça. C'est flou un peu, ça me prendrait une deuxième caméra. La grande IPA nordique, le double NEPA, 8% d'alcool. Brasseur BSD sur demande, ça se trouve. Ben BSD, c'est ça, c'est le nom. Brasseur sur demande. Ils sont situés à m'a te dire chemin de la Canardière à Québec. Oh, c'est une bière de Québec. Ouais, ça a l'air à ça. Bécac. Avant que je m'ouvre. Tout à. Bécac. Juste réajuster ça un petit peu parce que là, matin, moi, j'étais en grosse conférence. Ben ouais, à 9 h à matin, ils nous ont réveillés. Puis là, ah, bah, puis là, en tout cas, c'est ça. J'ai une crise de journée. Bon. Ben, j'ai mon petit velours comme d'habitude. Vous savez, moi, je suis. Vendu de Unibrew hein, depuis que ça a commencé au début des années 90. Puis aujourd'hui, c'est la don de Dieu que je bois parce que j'ai pas eu le temps d'aller rechercher d'autres puis faire du mal le rabais le spécial pour les caisses mélangées. Il est fini. Bon, il y avait un rabais. Point, 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 point. Il y avait un rabais où ça, Ouais. tu dis? IGA, toutes les. IGA, entre autres, je ne sais pas si dans les autres ils l'avaient aussi, mais tu sais, ils donnaient un carton qui était plié, tu dépliais le carton, tu mettais des grosses cannes de même, là, tu sais, des 473, là. OK. Fait que là, imagine-toi, la première fois que j'arrive au IGA, je vois ça, là, je suis tout content. Yeah, en fait, des caisses mixées, ma femme, mes caisses moi-même, tu sais, puis tout. Fait que là, finalement, je regarde, sacrement, l'eau bénite, qui est une de mes préférées, Ouais. elle fait pas partie du deal. Bon. J'ai dit, attends un peu, toi, m'arranger ça, moi. Fait que là, j'arrive, je mets des fins du monde d'un coin, je mets deux dons de Dieu, puis au milieu, je vais pogner une caisse, j'enlève les cannes dedans, j'ai 5 au milieu. J'ai dit comme ça, la fille, tu vas voir, elle va prendre la première du bord, puis elle va tout. Comme de fait, ça a marché. Ben, deuxième fois que je suis retourné la semaine d'après, j'étais tellement pressé, puis j'avais tellement soif que là, j'ai mis l'eau bénite dans le coin. Fait que c'est la première qui a pogné, puis elle me l'a Oh. chargé au plein prix. Ça m'a coûté quasiment le double pour ma caisse. J'étais en tabarnak, j'ai dit croquant. Ouais, ça c'est. On aurait dû mettre ça dans l'anecdote. J'ai pas passé. L'anecdote des bougons de cette semaine. Ouais. Puis qu'est-ce que ça goûte, cette bière-là, c'est pas Ben, pire? ça goûte l'IPA en NEPA. Ça goûte une NEPA. C'est la NEPA, moi, à mon goût, là, je trouve que c'est comme une IPA, mais plus fruitée un peu. OK. Ah, oh, je sais pas, moi, n'est pas. Asti. Yeah! Tu l'as mérité. Oui, ça, c'est bon, ça. Merci, public en délire. Faisant pas trop, là. Le monde va s'écœurer. Fait que, non, c'est bon, franchement. Bon, ça, sur demande, je les connaissais même pas. Puis, ben, n'est pas, moi, j'achète pas vraiment souvent ça, à cause justement du goût fruité. Puis, comme l'été est court, ben, des n'est pas, j'en achète juste l'été. Puis, l'hiver, je suis plus style double IPA avec des petites crevettes, là. Puis,
Ben, l'hiver. Des doubles, des triples, puis ouais, des affaires un peu plus corsées. T'aimes-tu la bière noire, puis la bière foncée? Pas triple de ça. Non? Non, moi, j'aime bien ça. Ben, pourtant, t'es un buveur de café. C'est ça, je comprends pas. Ouais, mais ça goûte pas pareil. Non. C'est pas... Ben, c'est la torréfaction des grains. Hein, fait que ça a un lien de parenté quand même. Ça, y a Daniel Gauthier, Frédéric Splug, lui, il en essaye beaucoup, là, des bières. Là. Daniel, tu veux savoir de quoi tu lui demandes? Il connaît ça. Ouais. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'on fait? Les autodidactes. J'ai pas de jingle pour ça encore. Pour l'éditorial, mettons. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des autodidactes. Qui on met dans l'autodidacte? Première des questions. Ben moi, je suis un mix des deux parce que j'ai appris jusqu'à un certain niveau. Puis après ça, le reste, je l'ai tout appris par moi-même. Mais je vais dire que dans les années 80, quand j'ai commencé à jouer... On n'avait pas le même bagage, c'est-à-dire la même disponibilité d'informations qu'aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est pas pour rien que tu regardes sur YouTube, tu vois des petits prodiges de 13-14 ans, ça tire comme on n'a jamais joué dans notre vie. Et ils ont tout ça sur YouTube. Ouais. Tu veux réparer une sécheuse, c'est sur YouTube. Ah ouais. Ta pompe c'est... est brisée, ben, c'est un peu ça que je voulais jaser, c'est-à-dire que je pense que... L'autodidacte devient de plus en plus présent. Puis le monde, je pense qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus vraiment besoin d'aller faire des cours spécialisés. À part que si tu veux le papier pour travailler là-dedans, mm-hmm. Ça devient de plus en plus commun. Là. Ben, tu sais, comme souvent les professionnels qu'on aime, là, exemple Steve Lukather, Vinny Colaiuta sur le drum, puis tout ça, ben eux autres, t'sais, vu qu'ils ont accompagné des artistes là, qui sont dans le top, là, des légendes là, comme Jeff Beck, tout ça, il fallait qu'ils savent lire. Ouais. Frank Zappa, c'est la même affaire. Colaiuta est arrivé, puis il a mis une partition. Puis là, il a vu, il a dit « T'as assez par cœur, mon tabarnouche. » Il est arrivé, il a enlevé la partition, il est allé en écrire un autre. Il a dit « Tiens, joue ça! » mais le niveau de musique, dans le temps, était beaucoup supérieur, selon moi, à ce qu'on a aujourd'hui, là. Je dirais peut-être pas de musique. Le niveau de maîtrise de l'instrument est meilleur aujourd'hui, selon moi, mais le niveau de singularité, tu sais, la personnalité était plus évidente à l'époque. Tu sais, tu reconnaissais, mettons, George Lynch, tu savais que c'était George Lynch. Mais à cette heure-là, tu sais, nomme-les les meilleurs guitaristes, tu sais pas que c'est eux autres, là, tu sais. Ils ont plus de personnalité ouais. comme il y en avait dans le temps. Peut-être parce qu'ils en savaient moins. Ça, ben, c'est une question que... je trouve que les nouveaux, ils jouent... ils jouent... Colin. Ils jouent tout pareil. ils jouent comme des machines. C'est carrément comme des machines. Ouais. Fait que, moi, ça... Trop de technique, c'est ça que ça fait ouais, aussi. C'est ça. Peut-être. Mais ben souvent, ces jeunes-là, ils ont appris sur le tas. Là, c'est des autodidactes qui ont appris chez eux en pandémie. Là, hein. Ouais. Puis les autres, là, ils ont été à fond là-dedans. Puis ils étaient bons, là, direct au départ. Ça prend un peu de talent pour apprendre ouais. vite de même. Là. Ouais. Mais le talent, moi, je pense que ça se développe. Là. La plus grande preuve de ça, c'est Jimmy qui voulait jouer de la guitare. Puis, ou Danny Harrison. Danny Harrison, il voulait jouer de la guitare. Il a appris sur le tard, Danny. Mais Jimmy, ouais. encore bien plus. T'sais. Ouais, parce que y a, dans le fond, là, ça revient à tout ce que tu fais dans la vie. Il y a l'inné puis il y a l'acquis. Tu as un bagage, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ton bagage? Ouais. Exact. Hey, si vous avez des réactions, envoyez-nous ça dans le ouais, dans la messagerie. On prendra le temps de vous répondre. Y a-t-il hein? du monde en ligne de quoi? Je sais pas, je vois pas. Moi, je suis sur l'écran principal. Là. T'es pas sur le live présentement? Non, parce qu'il y a trop de délais, puis ça me fuck non, les oreilles. Non, mais sans regarder ça, là, tu peux aller juste sur la page pour voir les commentaires apparaître. Là. Attends, je vais aller voir. Je vais allumer ça. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a pas de commentaires, mais... Pas plus grave que ça. On est habitué de se parler tous les deux, nous autres. Ben oui, on parle pour parler. C'est ça. Ah, ben, on a 6 en ligne. Il y a Steve Martel, Martin Marchal-Lavoie, Jeff Fortin, Marco Labonté, Guillaume Martel, Alexandre Harvey. Merci d'être là, les amis. Alexandre, donc, qui dit beaucoup de technique et pas beaucoup d'émotion. Ouais, exactement. Ouais, j'aime salut, ton commentaire. Alexandre, en passant.
Un collègue de travail. Super. Ouais. Puis ça, c'est ça, les autodidactes, tu sais. Oh, excusez. Si je regarde dans le domaine, mettons pas musique. Je pense qu'il y a certains domaines que tu n'as pas le choix d'être autodidacte. Je vais prendre mon domaine à moi, sur les bateaux. Oui, tu as des cours qui se donnaient aux États-Unis, mais j'ai appris sur le tas, là, tu sais. J'ai appris par du monde qui ont tout appris sur le tas aussi. Je pouvais pas apprendre la job que je fais là dans un cours, ça se donnait pas, tu sais. Mais je pense que, Nick, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Il y a une partie d'inné, d'acquis. Dans ce cas-là, tu as une partie de technique, puis tu as une partie d'apprentissage. Tu sais, c'est comme on dit souvent, la théorie puis la pratique, c'est deux mondes. Ben, c'est vrai. Ben, dans le fond, c'est ça. Malgré que le papier que j'ai de technicien en électronique, je l'ai, puis j'aurais pas pu travailler dans ce domaine-là si j'avais pas eu ce papier-là avant. T'sais. Non. C'est ça, à pas tant. Ça t'a donné tes bases, puis après ça, ça t'a donné un certificat de compétence, puis à partir de ça, là, t'as développé d'autres compétences. En passant, je suis technicien en électronique, en ordinateur et en audio. Yahoo! Sauf que sur mon Nostudec, c'est écrit « électrotechnicien ». Électrotechnique, ouais, c'était comme ça qu'ils appelaient le programme dans le temps, hein? Ouais, j'ai juste ça, mais j'ai fait 3 decks. Ouais. Moi, j'ai fait l'attestation d'études collégiales AEC, là, donc en enregistrement et sonorisation musicale à Drummondville. Et puis, c'est drôle, hein, parce que là, tantôt, tu parlais d'autodidactes puis de gens qui ont appris. Sans froisser personne, là, je vous dirais que les gars qui étaient en sonorisation, là, c'était souvent des autodidactes de musique. Puis ils jouaient souvent mieux que ceux qui étudiaient la musique. C'était fou, là. Si t'avais vu la qualité des musiciens, là. Puis il y en a que... J'étais encore en contact avec eux autres. Puis c'est incroyable. C'est comme si on avait été une gang de musiciens frustrés. Tu sais, puis qu'on s'est ramassé là par défaut parce que là, on voulait savoir en savoir sur l'enregistrement puis tout ça, puis sur ces méthodes-là. Mais dans le fond, on était une gang de musiciens frustrés, là, tu sais. Ben, c'est un peu ça. Je repense à, mettons, prends Eddie Van Halen, puis Joe Satriani. Là, on a Joe qui est venu jouer les tunes de Van Halen. Puis d'après moi, ça n'a pas été très long pour lui d'apprendre ça. Là. Parce que si tu regardes du Van Halen, oui, c'est complexe à jouer parce qu'on dirait que c'est fait par un gaucher. Hein. Mais... Ouais. Techniquement, je veux dire, c'est de la pentatonique tout le long. Là, c'est pas. Il n'y a rien de sorcier dans ce qu'il fait. Là. Oui. En fait, je sais pas si tu as vu le dernier avec Rick Beato. Et puis, il y a un guitariste avec lui, justement, Dweezil Zappa, le fils de Frank Zappa. Puis, justement, il explique. Où il sort des chantiers battus. Fait que, tu sais, il arrive, chantier battu. Hey, ça, c'est un péronisme. Je sais pas. Des chantiers battus. T'as déjà entendu ça? C'est pas les sentiers battus. Ah, OK, oui, sentiers. Et non, les chantiers battus. Ah, oui, c'est parce que là, t'as parlé... comment il s'appelle, les autres? La gang qui reste par là-bas, là. Pas Val Belair. Non, Daniel reste à Val Belair, moi je dis ça. Faut pas dire ça, hein. Les chantiers. Non, il y avait quelqu'un, moi, qui m'appelait, au lieu de m'appeler Chassé, il disait Saché. Nicolas Saché. C'est quoi que Léo, il disait, donc? Saché, chassé sans son chien, ou quelque chose de même? Saché, chassé sans son chien. Anyway, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de Dweezil Zappa. Ouais. Puis si tu l'as pas vu, va le voir. Tu vas voir, c'est écœurant. Moi, j'avais commencé. Il explique le picking. Lui, Dweezil, là, je veux dire, pour une photocopie, là, Dweezil, c'est le meilleur. Nuno est très excellent aussi. Okay. Mais c'est parce que Joe, c'est quelqu'un complètement différent d'Eddie. Ben fait que lui, le but, c'est pas de photocopier Eddie.
le but, c'est d'y rendre hommage. Puis ils se connaissaient de toute façon. Mais quand tu vois Dweezil, il t'explique pourquoi il pique de même, ou pourquoi dans certaines affaires, il pique avec le doigt du milieu dans certaines affaires. La façon ses cordes, son setup, tout. Fait que allez voir ça si vous l'avez pas vu. Là, c'est Rick Beato avec Dweezil Zappa qui parle de Van Halen. C'est savoureux. Moi, je me suis blessé au doigt, maintenant. Longue, quasiment arrachée. Là. Puis. J'ai joué pendant un an avec ça-là au lieu de ça-là pour tenir le pic. Là. Puis ça a complètement changé mon son. Complètement. C'était pas la même manière. Je le sentais. Non, peut-être c'est pas les pareil. Autres s'en apercevaient pas, là, mais moi oui. Il parlait des pics mous versus des pics durs. OK. Eddie jouait des pics mous. La grosseur des cordes, tout ça. Moi, tu vois, là, je me garde un petit pic mou. C'était un 60, ça, c'est ça. Tellement usé que c'est même plus écrit dessus. Un 60, moi, regarde, c'est la même affaire, regarde. Ouais. Je joue avec ça tout le temps. Non, pas moi. Je joue jamais avec ça. Tout le temps. Lui, je le prends pour ma guitare acoustique. OK. J'ai joué avec ça un bon bout de temps, tu vois. Celui-là, un peu moins, mais le jaune, le 80... T'as peu, lui, c'est 60 quelque chose, 76, 73, 67... Je l'aime pas. Mais le 83, le jaune, j'ai joué longtemps avec ça. Là. Quand j'ai eu ma guitare, puis je jouais avec Steph, tout le temps, le jaune, là, je sais pas quelle épaisseur qu'il y avait, proche 80. Là. Mais celui-là, maintenant, là, je m'en passerai plus. C'est vraiment mon préféré. Là. C'est une question de goût. Puis j'ai des petites mains aussi. Là, si t'as des grosses mains, tu vas pas arriver qu'un typique mou de même. Là, j'ai Alexandre qui est en train de me parler, qui... Il dit « Salut, beau bonhomme, te souviens-tu du vidéo quand on avait fait une coupe de tune avec Sonia Simard, puis c'était Geneviève Guimond. » Puis c'est ça, cette vidéo-là, je ne l'ai jamais retrouvée, je sais pas. Peut-être que Marco Roy l'aurait, je sais pas. Geneviève Guimond, c'est une fille de ma tante, ça? Ça, non? Geneviève Guimond... C'est pas la sœur à Guimond qui est mort, là, qui était dans l'armée avec nous autres? Oh, je sais pas. Je connais pas sa parenté. Là. Steve Martel peut-être pourrait nous le dire. Ouais. Toi, tu il connaît penser, bien la ville de Matane. Tu fais penser à les tantes. Là. Toi, tu dois être parenté avec tel, là, toi. Là. Tu commences à faire ça. Là. Tu ris de ça, mais je passe mon temps à le faire avec les élèves. Puis j'en ai de Gatineau, Trois-Rivières, les Laurentides, j'en ai de partout. Fait que des fois, je prends le temps, mais ça les fait rire, tu comprends? Je n'avais un hier, il s'appelait Ulysse. J'ai dit, Ulysse, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Ulysse? Il a combattu le cyclope. Puis là, je pars là-dessus, sur un délire. Là, le monde, ça riait, il trouvait ça drôle. Oh, on a une nouvelle personne qui vient de rentrer. Jeffrey Boulet. Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté avec quelqu'un qu'on connaît. Bon, Boulet, avec les bottes Boulet ou Jerry. Je sais pas. Anyway. Autodidacte, ben c'était ça. Je pense que ça a fait tout le tour pour ça, parce que là, on est en train de partir. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, si on conclut là, avec ça, c'est que... regarde, prends Alain Caron. Autodidacte à la base. Après ça, il est allé étudier. Je pense que c'était à Berkeley aux États-Unis. Fait que, tu sais, la technique, dans le fond, est là pour te permettre d'avancer un autre step. Ça peut être le premier step, puis ça peut être le step d'après, mais ça en prend un peu quand même. Tu sais, t'as pas le choix, là. Souvent, tu vas arriver, tu vas dire « Ah, je suis limité dans telle affaire. » OK, parfait. Un petit peu de technique, des fois, tu corriges le problème. Ou même des fois, juste comme un coach. Tu sais, je regarde Pat Jean là, qui fait le coach de drum. Fait que, tu sais, lui, il explique la motion et tout ça. Fait que des fois, tu regardes la vidéo sur YouTube, tu penses qu'il l'a bien. Mais quand il y en a un qui te regarde, il dit « Non, tu sais, là, tu frappes pas comme il faut. » Tu sais, ça peut donner un petit quelque chose de plus sans trop te dénaturer non plus. Hein, puis ça, c'est important. Je vais le répéter pour ceux-là qui nous suivent présentement. Vous pouvez vous brancher, vous aussi, avec n'importe quoi, un cell, un ordi, une tablette. Vous pouvez m'appeler sur mon téléphone. Non, faites pas ça. C'est ça, avec le lien Vidéo Ninja, il n'y a pas d'application en tant que telle. Tu ouvres ce lien-là dans un Internet Explorer. Moi, je suis à l'ancienne, là, Edge, Aster, ou Safari, Firefox. Tu ouvres ça, il va te poser deux, trois petites questions.
tu acceptes les droits d'ouvrir ton micro, ta caméra, ces choses-là. Puis on va te voir apparaître ici. Puis je te rajoute dans la conversation ici. Il n'y a pas de problème. OK, next! Je pourrais peut-être faire un petit gadget utile, tiens. Les gadgets utiles. Excusez-moi, là, mon espèce de hard drive qui me niaise à tout bout de champ. Fait que le gadget utile, t'as peu, je vais t'enlever la bidoune. Effect off, tiens. Le gadget utile, c'est ça ici. C'est un... Comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Un pop filter? Ouais, un pop filter. Ouais. En français, j'ai aucune idée comment ça s'appelle. Un mouchoir de poche. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça empêche de faire des puffs dans le micro. Donc, si je fais ça, ça coupe un petit peu de high aussi, mais ça m'empêche un peu. Là, c'est sûr que je suis très proche, là, de faire des puffs. Des fois, ils appellent ça windscreen aussi, des fois. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que je le conseille fortement à ceux qui veulent chanter pour nous autres seulement. Ouais, puis mettez du Purel sur le micro. Fait que c'est ça. Hey, pendant que tu parles d'accessoires puis de pop, OK, je peux-tu vous raconter une petite anecdote vite vite? Attends un peu, là, mon homme. Ça, j'ai de quoi ici, là. L'anecdote. C'est cute. Attends un peu. Yeah. Oups, c'est pas celle-là. Donc, tu parlais de vin l'autre fois, OK? Ouais. Puis justement, tu sais, il y a longtemps, là, j'étais tout le temps dans les revues Modern Drummer, puis tout ça, puis pour étudier comment micer un drum, puis tout. Puis finalement, eux autres, ils disaient, mettez jamais le micro dans le trou, OK? Parce que vous allez pogner juste du vent. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le Shure Beta SM Beta 91, c'est un micro plate avec une inclinaison de même que tu es supposé mettre dans le fond du bass drum ou sur un plancher, tu sais, pour pogner le reste. Donc, le problème, OK, aussitôt que j'ai voulu mettre ce micro-là devant le trou, je pognais rien que du vent. Uh-huh. Par contre, quand on a miqué mon drum pour le dernier show, c'était un gros bêta, je sais pas trop quoi, là, qui est fait pour le bass drum. 52? Puis, c'est le gros, là, pour le bass drum, là. Fait qu'on y a sacré la tête dans le trou, puis il y a une ligne bleue tout le tour. Fait que là, Michel, il m'a dit, aligne ça vis-à-vis de la peau à peu près, puis mets ça là, puis t'entends pas le vent partout. Fait que ça veut dire qu'il y a des micros qui sont faits pour ça, puis il y a des micros qui sont pas faits pour ça. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Anecdote. Ouais. Yeah! All right. Fait que là, on serait rendu à je pense que je peux essayer mon petit setup que j'avais ici. Ça, faut que je fasse comme ça. Comme ça. Je veux tout programmer ça, mais là, j'ai pas le temps. C'est affreux. Faut que je sorte de là. Là, c'est une mode formation. Petite image. Toi avec moi. Non. Moi avec toi. Toi avec ça. Bon. Retourner sur l'ordi. Toi ici. Moi ici. Donc, ben, je voulais donner un petit truc. Sauf que c'est même pas le bon. C'est le Yamaha, celui-là, ici. Je l'ai même pas écouté, mais je vais le faire pareil. Ben. C'est risqué. L'as-tu mis par mon son? Oh, OK. Oh, tu m'as envoyé un mix direct, toi, là. OK. Non, moi, j'ai rien fait. Ben, je sais. Ah, OK, t'as tout est là. Bon, loop. C'est la loop de drum. OK, c'est ça que je voulais, de toute façon. Ça, c'est quoi? C'est-tu avec un effet, ça, cette loupe-là? Oui. Mais l'autre en dessous, il n'y a rien? Il y en a une qui a de l'effet, puis l'autre qui n'a pas d'effet. OK, c'est ça que je voulais. Bon, on va prendre celui-là qui n'a pas d'effet. OK.
Puis là, je montrerai pas le tien tout de suite, là, parce que ça, c'est une autre histoire. Duplicate track, event, blank, ok. Oups, là, il met les deux. Bon, le petit truc que je voulais montrer, c'est que ça va venir plus tard dans la formation, mais moi, admettons, là, j'ai un drum bien straight pipe. On t'entend cliquer, mais ça en passe. Tu tapes trop fort. Fait que ça, c'est une loop de drum qu'on a faite rapidement. Puis moi, ce que j'aime faire avec ça, c'est prendre un espèce de compresseur de malade. Puis il y en a un dans le Cakewalk qui s'appelle Boost 11. D'après moi, c'est deux, Boost 2. Il devait avoir un Boost 1, je sais pas, aucune idée. Fait qu'avec lui, je compresse en débile. Là, je vais exagérer. Je vais exagérer beaucoup, là, parce que je veux que vous entendiez ce que ça donne comme bébelle, là, tu sais. Mettons qu'on exagère beaucoup puis qu'on met ça de même. Fait que là, si je si je mets les deux ensemble puis je lève un peu le son, pop. Drum normal. Puis là, je rajoute l'autre en arrière. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que toute mon attaque. Ah, t'as pu, j'avais un truc moi pour ça. Windows. Plus quoi? Aïe aïe! Windows plus. Yes, ça marche! Check ça si c'est hot! Un zoom! Dans le fond, c'est que cette track-là qui joue, c'est elle qui donne l'attaque, c'est elle qui donne toute la bébelle. Puis si je fais jouer l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai baissé le volume. Elle a pas de... Tu sais, elle a du sustain. Du sustain! Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le drum qui a de l'attaque. Puis je vais rajouter le sustain. Je pense que ça chie quelque part, moi, en tout cas. Ouais, mais il y en avait déjà du compresseur dessus, c'est pour ça, peut-être qu'il y en a trop. Non, mais j'entends une espèce de disto, là. Je pense que rendre trop fort. C'est l'écrétage, là, ouais. Je vais peut-être me baisser un peu ici. Là. Ben, c'est un genre de compression que j'entends au travers de tout ça, en tout cas. Parce que d'habitude, je mets le DBX parce que l'attaque est slow, puis je le mets sur snare, sur le bass drum. OK. Fait que si tu regardes, il y a peut-être des effets là, qui traînent, tu pourrais les fermer puis entendre le vrai son direct. Ou peut-être que j'ai mis les effets sur la loupe aussi, je ne sais pas, faudrait que tu checkes. OK. Fait que finalement, c'est ça le principe, c'est que tu crées ton sustain, ton sustain. Il n'y a pas besoin d'être fort. Bon. Puis tu rajoutes ça avec l'eau. C'est sûr que là, j'entends que ça fait de la marde, mais en tout cas. Ça paraît pas bien bien là-dedans. C'est pas super hi-fi, là, ce qu'on entend. Non, non, c'est ça. C'est très médiocre. Là. Fait que c'était ça, la patente. Fait que ça, c'est fait. Ouais. On save pas. Fait qu'on s'enligne sur le mode de formation. Formation, information. All right. Là, ça va être compliqué. T'as-tu pris le... Oui, t'as pris celui avec toutes les... Oui, OK, c'est beau. C'était un bon plan, ça. Ouais, mais c'est parce que j'aimais bien qu'il y avait, tu sais, plate resistor. Les écritures dessus, puis tout, ouais, là, c'est ouais. C'est ça, c'était le fun.
Fait que, première étape de ce que je vais vous montrer, c'est l'alimentation. OK, pause. Oui. Vas-tu penser à leur parler du stand-by AC puis du stand-by DC? Stand-by AC, stand-by DC. Ouais, mais ça commence à être technique, là. OK, trop technique? OK. Ouais, pas pour tout de suite. OK, parfait. On va attendre un peu. La patente là-dedans, c'est que je suis en train de me dire que je ferai pas ma partie 3 encore une fois, parce qu'on n'aura pas le temps. J'aime autant tomber sur lui. Ouais. Parce que la partie 3, de toute façon, est plate, puis ça parlait juste de ça. Mais à un moment donné, quand ça sera plate, on les passera, les photos, puis je dirai mon petit texte, puis je vais être heureux, puis toute la patente. Fait que donc, aujourd'hui, je file pour ça. Je file pour vous montrer un peu d'électronique. Ça s'enlève avec ça. Et voyons, il est où, tabarnak? Échappe là-dessus. Il n'y a pas d'échappe sur mon clavier. Échappe, c'est supprime, ça, en français? Bon. D'habitude, en haut, dans le coin à gauche, t'as un échappe. Puis dans les blocs des 6, t'as le supprime. Puis l'insert dans le bloc des 6, là. Anyway, ça marche pas. Qui est à côté du Enter. De toute façon, ça vous permet de voir un peu mieux. Là. C'est qu'idéalement, il aurait fallu que ça soit un peu plus gros. Bon, anyway. Donc, dans ce plan-là, il est un petit peu fait à l'envers de les normes électroniques. C'est-à-dire que le courant aurait dû rentrer par ici, puis faire le reste par là. Là, eux autres, ils ont rentré par ici parce que là, on voit que c'est du 117 volts AC. Et pour le seul français, je crois, qui est avec nous, putain, c'est pas du 220, du 240. Alors du coup, nous, c'est même pas du 117 VAC. C'est du 120. OK. Alors, on a notre courant alternatif qui rentre. Hey, qu'est-ce que du courant alternatif? Qu'est-ce que du courant DC? Est-ce qu'il y a du courant dans la salle? Là, en passant, je vois plus rien, donc je peux pas rajouter de monde. Là. Je suis rendu sur mon autre ordinateur. Fait que si tu vois qu'il y a quelqu'un qui ça y tente de rentrer, il va falloir qu'il écrive à quelque part sur notre live. Parce que j'ai vu. Oui, ben moi, je vais watcher de temps à autre le Facebook. Là. Fait que si vous écrivez sur Facebook, là, je vais watcher ce que vous écrivez. Okay. Puis si vous voulez rentrer, ben écrivez là-dessus. Ça vous tente de rentrer, de pénétrer. Pénétrer? Oui. Alors, pénétrer. Keep it greasy! Frank Zappa. Ça en mérite un. OK, on a notre courant alternatif, notre courant DC. Quoi alternatif? Ça le dit. Il alterne. Il monte de haut en bas. La fréquence de 60 Hz. Tandis que du DC, il est mort. Il bouge pas. C'est un potentiel fixe. Ça bouge pas de là. Donc, là, on a du AC style maison qui rentre ici. On a une petite fuse de protection drette au début pour aller protéger ça. La switch on off. Là, c'est une bonne idée de mettre une switch on off parce que c'est du AC. Du AC, pour les soudeurs, on sait que du AC, ça soude pas. Même principe, c'est que là, quand tu vas fermer ta patente, ça ne fera pas de spark, la vie est belle. Ici, c'est un sélecteur tout simplement de courant sur le transformateur qui est ici. Le beau dessin d'un transformateur. Qu'est-ce qu'un transformateur? Ça, c'est une autre histoire. Il transforme! Je peux-tu réduire ça, moi? Il est où, c'était? Ben voyons donc. Tu me niaises! Il n'y a même pas l'option de quitter cette style d'application de merde-là. T'es foutu. Hey, tu me niaises, y'a rien. Bon, c'est pas grave, Nick. Hein. Promène-toi avec ta loupe, c'est le fun, on voit les affaires en gros. Je voulais montrer un transformateur, c'est quoi? Ah, t'as peu, je sais comment je vais faire. Attends, ouais. Là, je l'ai.
C'est pas grave, on a le symbole, là. OK, image, formation, ça, transformateur. T'aurais dû me dire, j'ai un beau transfo de plexi ici, beau 50 watts, là. Mais le pire, c'est que je les ai même pas downloadés dans l'ordi. Niaiseux. Ah, le gars. Tu vois-tu qu'il était pas prêt, Sti? Il avait pas le temps de faire ces lives-là. Il n'y a pas le temps, Sti. Ben, s'il avait dit, j'avais un beau transfo de Marshall ici, t'as eu montré un beau 50 watts. Ah, j'en ai un dans le garde-robe. Non, ouais, c'était un gros bloc, là. C'est ça qui est le plus gros sur ton ampli. C'est ça. C'est gros, pesant, puis c'est laminé. Ouais. Ben, laminé, ouais. Pour que ça évacue la chaleur, hein, c'est ça? Non, c'est les couches. C'est un autre histoire. C'est l'électronique. Il y a des distances à respecter. OK. Mais il faut que ça dissipe la chaleur aussi, non? Oui. Ça, c'est, je pense que c'est le corps autour qui fait ça. T'as des lamelles là, qui. Je pense que. Allez, on en reparlera plus tard. Donc, tu sors de ton transformateur. Puis là, tu vois, là. Le transformateur en tant que tel, c'est une bobine. Une bobine, ce que ça fait, le courant, il rentre ici, puis il circule, puis il ressort ici. Il fait juste ça. Fait que là, tu te dis, ben là, c'est juste du fil, ça va sauter, sauf que ça ici, ça a une impédance. Donc, ça sautera pas parce que en AC, c'est de l'impédance, en DC, c'est de la résistance. Donc, il y a comme une résistance ici qui fait que ça crée un courant, puis là, ça traverse les couches de lamelles, puis là, ça passe ça, puis là, il y a de l'induction qui se produit. Puis tout ton voltage qui est ici se transfère l'autre bord. Par contre, selon le nombre de tours qu'il y a ici, il va sortir à des voltages différents. C'est pourquoi. Ça ressemble à un pick-up, Nicolas, dans le fond. Exactement pareil. Bon, là, les guitaristes vont comprendre. Ouais, c'est un pick-up. Un pick-up, c'est une bobine. Exact. Sauf que je ne crisserais pas du voltage là-dessus parce que le fil est trop petit. Ça ne t'offre pas. Ça fait que là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'ils ont créé un petit voltage de 6,3 volts AC pour alimenter le filament de chacune des lampes. Les lampes ici, il y a une lampe ici, il y a une lampe ici. Fait que ça, ici, c'est ça. Ils ont alimenté le filament. Ça le dit, c'est une lampe. Ça allume. C'est... Pour que ça fonctionne, il faut que ça allume. Fait qu'eux autres, ils allument avec ça. On va essayer de garder ça simple. Hein? Faut pas oublier. Des fois, je pourrais y aller plus cru, mais on y va pas. Donc, ici, il y a encore... Comme que c'est pratique, ils ont mis une belle switch sur l'AC aussi. Parce que s'ils avaient collissé sur le DC, ça aurait fait un beau spark, comme quand tu soudes. Quand tu arrives à souder à l'arc, là, pouf, ça spark, parce que c'est ça. Je sais pas s'il y a des soudeuses à l'arc cassé, je pense pas. Anyway, un autre sujet. Donc, ça, ils nous ont mis des petits condensateurs de filtration. Ça, il n'y en aurait pas, ça marcherait pareil. Okay? Là, ici, ils font un redressement avec des diodes. Fait que là, ils font un onde positive, puis un onde positive. C'est ça qui est spécial. Fait qu'il y a comme une espèce d'addition d'onde positive qui se rend là. Parce que là, ce qui arrive... Oh, tabarnak. Ce qui arrive, c'est que ici, tu sors... Parce que l'AC, ça voyage, ça avance, ça recule. Ben, ça fait pas ça, là, mais on pourrait imaginer que ça fait ça. Fait que le positif, on pourrait dire que le positif voyage d'un bord ici, puis le négatif voyage d'un bord ici. Mais ça, c'est toujours du positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Puis ici, il est renversé en force. Oh, le minou est arrivé. Ouais. La phase est inversée. Donc, ce qui sort ici est inversé de ce qu'il y a ici. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la petite diode, puis ils vont chercher tout ce qui est positif là-dedans, mais qui est inversé avec ça. Donc, ici, ils vont chercher tout le positif ici. Fait que là, les deux, là, ça va faire boum, 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 boum. Ça va tout s'additionner.
Ici, on a des gros crises de condensateurs. Ils sont super faciles à voir aussi sur ton ampli. Eux autres, ils vont servir à... Parce que là, ici, là, on a juste utilisé le positif. Fait qu'il n'y a plus de négatif. Les cannes, hein? C'est ça qu'on appelle les cannes. Ouais, il y en a qui appellent ça des petites cacanes. Les cannes cap. Fait que là, ils ont ralenti. Le condensateur, c'est ça qu'il va faire. Il va ralentir. Il va se mettre à charger. Il va se mettre à décharger. Sauf que là, l'AC, c'est tellement rapide que ça fait pas ça. Ça charge. Puis ça reste là. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est ça. Il va charger, puis il va rester là. Fait que dans grosso modo, il va aider à stabiliser tout ton DC qui était tout croche ici, qui était en boum, boum, boum. Ah, il faut que j'aille me moucher. Veux-tu continuer? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que t'as les 220 nanos aussi qui sont là pour éviter les sparks. C'est ça que je disais tantôt à Nicolas. J'ai dit faudrait parler du stand-by. Ben, dans le fond, c'est un petit peu ça. Vous voyez, le stand-by est là, puis tout de suite après, il y a des caps. Fait que ça, c'est pour éviter que quand tu l'allumes, tu le fermes, ça fait « pam ». Fait que c'est le cap qui se trouve à absorber tout ça. Fait que dans le fond, nos gros caps, là, nos grosses cannes, ils servent avec les diodes, tout ça, là, c'est la section qui s'occupe de redresser le courant pour passer du AC au DC, puis qu'on n'aille pas du ohm à travers ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la filtration. Ouais. Fait qu'à partir d'ici, on peut considérer qu'on a passablement un beau DC. Parce que eux autres, ils empêchent toute l'AC qui était comme ça, qui se tapait, ils l'empêchent. Parce qu'eux autres, ils absorbent tout le choc, puis ils font juste... Bah, ils envoient ça droite. Fait que là, ouais. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une espèce de voltage dans le coin de 450 volts DC qui va se produire ici. Parce que le transformateur, il a pris du 120 volts, puis il l'a ressorti en 400 quelque chose. Probablement 300 quelque, parce que là, c'est une histoire d'RMS puis d'addition puis tout ça. Là, je rentrerai pas là-dedans. Là. Parce que là, c'est des histoires de rectification. Plexi, Nicolas, c'est aux alentours quoi? 430, 450? Ouais, mais je parle... 50 watts, hein? Lui, il y a deux lampes, là, ça fait que c'est la pas même plus AC, que ça. Là. La section AC ne donnera pas la même affaire. Là. Ouais. Donc... Quelle heure? Faut que j'y aille vite. Après ça, ben là, tu peux passer dans ta fuse puis aller lui expliquer le HT, hein, la haute tension, ben là, comment ça marche. Là, on est rendu sur ce qu'ils appellent dans les plans le HT, c'est le DC qui s'est produit ici, puis qui s'en va, puis qui monte, il passe dans une petite fuse ici, qui pète tout le temps, c'est le plexi. Puis il s'en va, là, je vais tasser mon affaire, là. Il s'en va ici, là. Il s'en va alimenter une lampe, là. Puis okay. Il s'en va alimenter. Pop. Le choke, on n'en parlera pas tout de suite. Il s'en va alimenter toutes tes autres lampes. Là, ouais. Par l'intermédiaire de des résistances qui vont créer du courant dans le système pour alimenter toute ta patente. Fait que je dirais que la première étape de déboguer un ampli qui allume pas, ben c'est là que ça se passe. Ouais. Dans le fond, comme tu m'avais dit, Nicolas, on enlève toutes les lampes dedans d'abord. Puis après ça, ben, on l'allume. Puis si la fuse pète, ben là, on check d'où ça vient, on mesure les voltages qu'on a. Tu sais, on fait le tour dans le fond. Hein? Je viens de m'apercevoir qu'on voyait même pas l'alimentation heater tantôt. T'as pas, je peux l'en. Ouais, l'heater, ça, c'est un autre tap qui est sur le. Puis ça, tu m'en parleras parce que j'ai sauté mon Marshall comme ça. En voulant souder de quoi, j'ai accroché le heater, puis là, il y a eu du haut voltage sur le heater. J'ai sauté le transfo, tabarnak. Fait que, tu sais, ça, le heater est ici. Ah, oh, c'est niaiseux. Ça, c'est ça qui allume les lampes. Là. Exact. 6,3 volts. 6,3 volts. Tu prends ton testeur, tu te mets en AC. Poc, 6,3 volts. Si t'as pas 6,3 volts, même avec... Admettons, tu peux avoir 6,2, là, ça veut dire qu'il y a un signe à quelque part, il y a quelqu'un qui tire trop fort dans courant là-dedans. Parce que normalement, tu devrais avoir 6,3, puis la vie est belle pour tout le monde. Ouais. Fait que je vais te remettre la binette. Non.
Puis, Nicolas, il y a beaucoup d'amplis maintenant qui sont avec des heaters. C'est surtout la première lampe, mettre des AC, c'est ça? Ouais. Pour pas que ça fasse du hum puis du bruit à cause du AC, c'est ça? C'est ça. L'AC, lui, fait comme ça. Fait qu'il génère une fréquence de 60 Hz. Oh. Un hum. Tandis que le DC est droite, il génère rien pantoute. Ils génèrent pas de bruit. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que la 12 AX7, eux autres, ils appellent des ECC83. Je pense que c'est des versions russes de ça. Version européenne, oui. Européenne, ouais. Mettons. La 12 AX7, pourquoi 12? C'est justement parce qu'elle est capable de prendre du 12 volts dessus son élément. Ouais. Qui fait qu'elle allume. Là. Donc, ici, de l'habitude, là, sur les plans, ils mettent pas le heater. Ils vont, non, c'est ça. Ils vont dire, OK, va te plugger à la bonne place, puis ça finit. Ça va être bien correct. C'est ça. Puis l'idée de twister les fils pour les heaters. Très bonne idée. Je ferai référence à les fils réseau. Oui. Ils sont toujours twistés ensemble, justement pour cette raison, parce que c'est des fils qui transmettent du data, un positif, un négatif. Ben, dans le fond, comme du AC. C'est un... Comme j'ai montré tantôt là, dans ce coin-ci, l'AC, il y a une phase qui est inverse de l'autre bord du transfo. Donc, la communication réseau, c'est la même crise d'affaires. Il y a une communication qui se fait d'un sens, l'autre se fait de l'autre sens. Ils sont comme ça. Puis là, l'induction entre les fils va... annuler le bruit, finalement. Je veux pas trop rentrer dans le principe. Là. Non, mais déjà, c'est bon, là. C'est très bon. Puis, Nicolas, dans le fond, si on résume l'histoire des heaters, c'est pour ça que des amplis, par exemple, comme Soldano, qui ont refait une version comme 30 ans après les premières versions, ils ont changé les heaters sur la première étage. Ils ont mis ça... Je pense que c'est tous les heaters qui sont en DC sur le nouveau Soldano. Ouais, mais on voit ça aussi. Ça se peut-tu, les EVH, aurais-tu ça aussi? Une partie. D'habitude, ils vont faire les premières lampes 12 à X7 parce que les premières lampes sont très importantes. Oui. Fait qu'ils vont faire peut-être une ou deux lampes en DC. Le reste, ils le font en AC parce que le voltage swing est tellement important, ça n'a plus d'importance. OK. Parfait. Pour ça, je pense que la dernière chose que je peux dire pour tout de suite pour l'alimentation, c'est que là, ici, on a un choke qui, lui, va filtrer des fréquences. Il va filtrer du bruit dans les hautes fréquences. C'est une bobine aussi, hein? Oui, c'est une bobine, tout simplement. Quand tu mesures ça avec un multimètre, c'est pratiquement un short. Fait que si t'as pas de short, ici, il est parti. Fait que, grosso modo, ça arrive souvent. Là, les Fender Champ, ils vont péter d'ici. Ils vont péter du transfo, puis ils vont péter le choke en même temps. Fait que les autres, tu mesures, t'as-tu du jus ici, t'as pas du jus, c'est lui ici, t'as du jus, t'as recheck l'autre bord, j'ai-tu dû acheter, la haute tension, j'ai rien, oups, c'est lui ici, le choke est parti. Un coup que ça s'est passé, ici, on va se créer du courant, tout simplement, là, tu sais. Parce que le choke, lui aussi, va créer un peu de courant, mais là, tu veux diminuer l'intensité de tout ton courant parce que tu veux adapter tu rentres ici. Tu rentres ici avec plein courant, bang, tu rentres là pour fournir tes grosses lampes de power. C'est eux autres, là, les EL34, les ronds avec ça, c'est de la pentode, triode, des choses comme ça. Fait que tu veux avoir plein courant ici qui va rentrer ici. Puis là, tu as un autre transfo, hein, Nicolas, faut pas oublier de le dire. Là. Il y a un deuxième transfo qui sert à faire sortir le son dans le speaker. Exactement. Lui, tout ce qu'il fait, c'est adapter l'impédance de la lampe. Parce que la lampe, elle aime pas avoir une impédance de speaker à 8 ohms. Elle aime pas ça. C'est trop bas pour elle. Elle, ce qu'elle veut voir, que je pourrais dire, c'est dans le coin de 2000 à 10 000, tu sais, mettons. Là. Ouais. Ici, tu vas avoir probablement un 2700K, ici, qui va être mesurable avec un appareil un peu plus spécialisé. Là.
Parce que là, on tombe. Si tu le prends juste mesuré avec un ohmmètre bien normal, là, c'est un bout de fil, ça. Là. Tu verras rien pendant tout. Tandis que là, si tu envoies une fréquence dans ce transfo-là, un cas, mettons, ou peu importe, tu vas mesurer une impédance qui va être un chiffre complètement différent de ce que tu vas mesurer avec une résistance qui va être pratiquement un short, un fil. Puis le tap du milieu, Nicolas, ça sert à quoi, ça, le center tap? Parce que j'ai un Lenné, moi, qui est version 2. Il n'y a pas de center tap. Puis mon technicien, il en avait simulé un d'une certaine façon, électroniquement. Mais les vieux Lenné, ils ont vraiment le center tap. Fait que ça sert à quoi, le center tap? Ben là, tout ce qu'ils font ici, c'est apporter l'alimentation dans le milieu. Puis là, ils créent une résistance pour que la lampe ait un courant adéquat. OK? OK. Il aurait pu pas avoir de center tap. Non, tu peux pas avoir de... T'as absolument un besoin d'un center tap. Là. OK. Ça se peut pas que t'as pas de center tap. Je vais t'envoyer le plan du Lenné, tu vas voir, il y en a pas. Mais d'après moi, il est branché autrement que ça. Là. C'est pas pareil à ça. OK. Parce que ça te prend de résistance, là, ici. Là. Parce que chaque lampe, ici, là, les autres, ils mettent, mettons, 100K, ici, tu sais, comme je disais, c'est peut-être 2700K, quelque chose de même, c'est plus bas, parce qu'elle, elle va générer plus de courant, puis tout. Mais, t'as pas le choix, là, tu pourrais rentrer direct du voltage site, mais là, il va falloir que ta cathode, en retour, limite ton courant, parce que tu vas sauter, là. Tu vas envoyer, ça va être short, là, toute la patente. Mais oui, là, on divague. Mais, ton center tap, sur ce modèle-là, t'as pas le choix. Ça prend un center tap, ça. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est que il donne un côté, mettons, on pourrait dire positif, puis un côté négatif. Parce qu'il cite, là, t'as ton espèce de... Il appelle ça phase splitter, phase inverter, puis blablabla, là. Il y a un nom plus scientifique, je pense, que tu connais par cœur. Oui. Phase splitter, phase inverter, c'est pas mal ça. Non, les comment t'appelles ça, le cathode, je sais plus quoi, là, phase, patente, shot, cathode. Tu veux dire la façon que c'est branché, moi, il y a un nom. Il y en a que c'est des cathodines, il y en a que c'est LT. Ouais, c'est ça, long tail. Long tail, ouais. Okay. Long tail phase inverter, long LTP. Tail, c'est ça. Ça, c'est long tail phase inverter. Fait que là, finalement, lui, il va changer les phases. Ben, pas changer. Il va faire comme tantôt. Il va faire l'inverse de ce qui est ici. En tout cas. Puis là, il va envoyer un onde positive, mettons, ici. Puis il va envoyer un onde négative ici. Fait que là, les lampes, eux autres, ils reçoivent quelque chose de complètement différent d'un bord puis de l'autre. Ça. Okay. C'est pour ça que ça crée pas de bruit puis de cross-distorsion. Tout ça. Ben, de la cross-distorsion, c'est une autre histoire, là, mais en tout cas. C'est que c'est compliqué, non? Mais ce qui va faire que ici, t'as comme un positif puis comme si t'avais un négatif. Puis ça, c'est ta référence. Ici, qu'on pourrait dire. Fait que là, le transfo va comme additionner tout ça ensemble de ce côté-là, puis il va te donner tout un onde complète, intact, juste d'un bord. OK. Qu'est-ce qui arrive si t'as un ampli comme ça qui est push-pull et que t'enlèves une des deux lampes pour que ça joue moins fort, mettons? Ben, il arrive pas grand-chose. Le son ça sonne moins, par exemple. Hein? Ouais, ça sonne plus bien. T'as une lampe de partie. Le son va passer par cette lampe-là, puis il va rentrer ici, puis il va jouer moins fort. Mais c'est pas la moitié, mais c'est pratiquement... Non, je dirais que c'est plus bas que la moitié, un peu. Oui. Fait que c'est ça. Je veux pas aller trop loin aujourd'hui. Là. Je voulais aller juste dans l'alimentation. Parce que là, on tombe un peu plus complexe. OK. Nicolas, parle-nous de la filtration par la suite. Tu vois, il y a d'autres caps jusque rendus aux premières lampes. Mais on remarque que la filtration est comme entre deux lampes tout le temps. Là, ce qui arrive, c'est que tu crées de l'audio ici, là, tout le temps, là, qui sort de la lampe et tout ça. Fait que ce que tu veux, c'est... L'audio, il va vouloir monter ici. Là. Il va vouloir s'en aller au travers de tout ça. Fait que tu veux redresser tout ça pour empêcher ton son de rentrer là-dedans, ton hum, toutes tes bébelles.
Fait qu'ils vont se rajouter des caps pour empêcher tout ça, pour redresser tout le temps à chaque fois que tu rencontres une langue. Là, visiblement, ils ont besoin, sur le Marshall, de pas beaucoup de caps, là, tu sais. Ça faisait pas un gros impact, là. Mais là, il faut pas oublier aussi, Nick, que les vieux, vieux Marshall, il y avait du 30 microfarads, puis ceux-là, ils ont 50. Donc, quel serait l'effet là-dessus? C'est que le 50, il va être plus long à charger en temps. Donc, il va être plus long à décharger en temps aussi. Donc, ton 60 Hz, mais ton son, tout ça, il va être, comment je pourrais dire, en anglais, c'est damping. Là. Ils vont empêcher que, mettons que ton onde a fait une petite wave, là. Lui, il a 100 pas, là, il se met à charger lentement, puis il redescend lentement, mais là, tu recommences à charger. Fait qu'il n'y a même pas le temps de voir ça. Là, c'est pour ça que... Elle passe free, autrement dit. Là. Elle passe free, mais c'est qu'il va faire un niveau plus bas un petit peu de moyenne, parce que le 32, il va réagir plus. Il va charger plus vite, puis il va descendre plus vite, puis il va charger plus vite. Okay. Tandis que le 50, il va charger plus lentement... Puis il va décharger plus lentement. Oups, il recommence à recharger. Oups, il décharge. Oups, il recommence à charger. Fait que pour lui, l'impact de l'audio qui est extrêmement rapide, il verra pas beaucoup ça. Si tu mets du 32, lui non plus, il voit pas beaucoup ça, sauf qu'il voit un petit peu plus. C'est pour ça que là, tu vas peut-être laisser passer des fréquences de 60 Hz puis des choses comme ça. Là. C'est-tu pour ça que les vieux plexis avec les caps de 32 là, sont plus lous, sont plus mous que ceux avec les 50? Ouais, ça paraît là-dessus parce que justement, lui, le temps de charger, le temps de décharger est un petit peu différent. Puis le son va te paraître une petite affaire différente là, parce que l'attaque va être plus molle et toutes ces choses-là. OK. Donc ça veut dire Van Halen, lui, c'était quoi? C'était ça, 32, je pense, hein? C'est un 67, 68 qu'il y avait, Van Halen? Je pourrais pas te dire par cœur. Ça fait trop longtemps que je regarde plus ça. Puis il devait pas avoir le rectifieur à lampe. Hein? Il va avoir des diodes pour rectifier le courant aussi. Fait que c'est plus direct aussi. Le sien, si je me souviens bien, c'est pas deux 69? Diodes. 69? C'est un pont de diode au complet. Oui, t'as raison. Oui, il y en a 4 ou 5? C'est combien qu'il y en met? 4. Tchouk, faire un pont. Fait que c'est ça. Après ça, bon, on rentre dans chacune. Ici, on crée du courant. Ben, on crée pas, on limite le courant. Avec les résistances. Ouais, c'est ça. T'empêches le courant de se créer. Puis en même temps, tu crées une espèce d'isolation entre tes circuits. Là. Puis tu vois, celui-là, Nicolas, c'est tout du 10K quasiment, hein? Mais les anciens, c'est du 5.6. Ouais. Avant le PI, là, c'est du 5.6 au lieu du 10K. C'est comme s'ils voulaient avoir plus de jus avant d'arriver dans les autres langues. Mais c'est bizarre. Tu n'auras pas plus de jus, tu vas avoir plus de courant parce que tu es en série. Ça ne changera pas le voltage. Ça va le changer un peu parce qu'il se crée une espèce de diviseur de tension. Là. Ouais, ouais. Mais pas beaucoup. Quand même que je mettrais. J'ai 10K ici, puis 10K, ça fait 22K. Puis quand même que je mettrais juste la 10K, j'aurai pas une grosse différence. OK. Moi, tu vois, Nicolas, j'ai pogné mon phase inverter. Au lieu d'être après les deux 10K, il était entre les deux. Quel effet que ça a? Est-ce que ça crée un diviseur de tension? Oui. Ben c'est sûr. Tu vas avoir un voltage un petit affaire plus élevé ici. Oui. Parce qu'avec tout le reste du circuit, tu crées un diviseur de tension. OK. Mais, comme je te dis, eux autres, c'est parce qu'ils voulaient mettre 20K ici, là. Probablement qu'ils se sont dit « faut que je limite mon courant ». Parce que s'ils limitent pas le courant, c'est le transfo qui va manger à go. Puis là, il va se mettre à trop tirer de courant. Puis là, tu vas t'apercevoir que ça sag, puis ça écrase. Puis ton voltage que tu as ici, au lieu d'être un beau 425-430 steady, bien stable, tu vas te ramasser à 410, puis ça va être trop. Fait que c'est pour ça qu'ils vont mettre 20-22K là, dans les modèles plus récents, parce qu'ils ont eu des problèmes avec les transfos. Parce que moi, tu vois, avec le transfo original, j'avais environ 430 volts.
Puis avec le nouveau, j'ai 450 dépassés. Là, c'est le réissu 1987, comme t'as là, mais moi, c'est le réissu. OK. Mais tu sais, ça, c'est dépendant du transfo, là, parce que le transfo, d'un Marshall, c'est de la merde. Il est pas capable de fournir. Ouais. Bret ouais. au départ. Moi, je me suis acheté des transfos à Hammond, puis j'ai 475 volts. Ils citent, puis je me promène tout le long, puis ben là, c'est sûr que ça descend. Là. Mais je veux dire, peu importe le nombre de lampes que j'ai rajouté dedans, il a jamais droppé ici. OK. À base, là, il est resté à 475, puis il était heureux. Lui, il fournissait full ampère. Ouais, ouais. Parce que l'ampérage que lui va fournir ici, c'est très, très bas. Là. C'est des milliampères. Là. On parle pas d'ampères. Ben oui, on parle d'ampères parce que là, au total, c'est peut-être un ampère, mettons. Là. Ouais, c'est super bon. C'est ça, les fuses hein, qu'ils mettent, c'est quoi? C'est une 750, puis il y a une place 5 ou 3, là. C'est 0.500, là, tu sais. .500, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment pas de courant là-dessus. Là. Fait que, mais ça claque en sacrament quand tu pognes un 450 volts DC. J'ai pas pogné le 450, mais j'ai pogné dans les 200 à 300 volts, là, puis ça m'a passé à travers le doigt. Je te jure, là, j'ai encore le trou. Ici, là, on le verra pas, là, mais j'ai encore le trou. Ouais. Attends, mon dieu. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour de l'alimentation, je pense. Là. T'as des résistances, justement. C'est encore la même affaire. C'est pour empêcher le courant, le limiter. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Là. C'est pour limiter ton courant, faire le bias de ta lampe. Ici, parce qu'ici, il n'y a pas de pote, il n'y a rien, tu sais. Ouais. C'est fixe. Puis le négatif feedback qui est inhérent à la lampe, dans le fond, que tu mets un cap, puis là, ça passe, puis là, il n'y a plus de feedback. Fait que tout ça, c'est important. Ton power aussi, le feedback, on pourra en parler dans les prochaines sessions. Oui, ça, on va parler à quoi ça sert. Mais là, tu sais, je voulais faire juste, je le redis, juste l'alimentation. Parce que sinon, ça aurait été trop long d'aller plus loin, là. Fait qu'on alimente, puis ça, tu sais ça, tu vas avoir... parce que là, ta lampe, elle va te tirer du courant, fait que ton voltage qui est ici, tu seras pas le même qui est là. Tu vas avoir peut-être 250, mettons, là, sur ta résistance de plate, qui appelle ici, là. Parce que la plate, c'est ça ici, là. Ta plate est là. Puis quand tu mets 220, Nicolas, pourquoi en mettant 220, il y a plus de gain dans ta lampe? C'est parce que t'as moins de courant, tu changes d'encours, puis ça va être une autre histoire encore, il va falloir checker ça. Là. OK, fait que ça, on pourra en parler dans les prochains, épisodes. La lampe, elle change de courbe, d'amplification selon le courant qu'elle reçoit. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est des bananes un peu, là. Ça ressemble la banane, beaucoup, Ça ressemble beaucoup au transistor, c'est quasiment pareil, là. Okay. Fait que là, ici, tu vas avoir, mettons, 250, puis là, tu vas peut-être avoir 280, puis ici, tu vas peut-être avoir 270, peut-être 300 dans ce coin-là. Mm-hmm. Puis rendu ici, sur l'autre bord de la résistance, ben là, tu vas peut-être dropper à 200. Là, tu sais. OK. Parce que là, elle a fait sa job à tirer du courant puis à créer son voltage pour swinger ton audio. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que le prochain shot, on parlera, s'il y a du monde intéressé, ben on parlera de l'entrée audio puis on swingera là, du son. Avec, comme tu dis, on pourrait parler du clipping symétrique, asymétrique, parce qu'il y a des amplis qui ont du symétrique, asymétrique, fait qu'on expliquera ça aussi. Oui, ça va être plus tard un peu, ça commence, c'est dans le complexe. Quand tu tombes dans la distorsion, c'est une autre histoire. Ben ça, c'est comme pour faire le pont avec les pédales de transistor, là, puis tout ça, il y en a qui, les diodes, puis tout ça, là, tu sais, on fera un petit pont avec les lampes versus les diodes, puis versus les pédales. Yes! Fait que là, il est 5h. Il est 5h, on ferme! On ferme! Fait que merci d'avoir été des nôtres si vous étiez des nôtres. Puis n'oubliez pas d'inviter vos amis parce que le site est privé, donc il n'y a pas un hostie de roi qui va rentrer avec nous autres. Si vous pas de troll! Il n'y a pas de troll, c'est ça. Si vous ne l'invitez pas. Puis d'habitude, je suis pas vraiment regardant ces invitations. Je mets pas mal tout le monde, à part Sarah de Je danse avec toi. Là. Je mettrai pas ça. Fait que c'est ça. À la prochaine. OK. Bye, à bientôt. Bye.